Sankeys. Wow, comment il peut me descendre à Pékin? C'est une journée. L'élection, il y a une élection municipale, nous avons une élection locale. 23 janvier 2022, il y a la parole. Wa Pékin, tu sais nous bar, tu sais nous confiance. Nous maïmam, on va être quatre maires de la ville de Pékin. Moi, ça serait qui man. Ma femme comme bar, nous. Gremlin, wa Pékin, yep. Santilène, wa Pékin, yep. Gremlin aussi tous les responsables du département. Nous avons une bonne décision de coalition, ben un bon cadre. Wa it. Des gremlins de santé, nous avons une telle ni nous n'y aurons jamais de tirol. Ndaxte joxante nañ ci jamm joxante nañ ci salam té violence yi tax ñu wé wax violence amu fi xeyna amna yenn say ay xëccio yu ci jottona am waye sant nañ ci yalla ba nga xamné té dugg nañ ci ak jamm genn ci ak jamm kon ñom tamit vraiment katché ngalama di len gërëm di len sant ci taxaway bu rafet bu ak esprit de responsabilité bi may wax né paré nañu élection légui li ci dess moy ñu jublu ci liggéey ginnaw fi ak ay fan bu ñu installer conseil municipal yépp ci bon fukk commune ak ñaar waye tamit fi ci ville de Pékin buñ ci génné ba def installation yi dañuy talal loxo doomu Pékin yépp ña bokkon ci élection yi ak même doomu Pékin yi nga xamné politiquñu waye am lu leen yalla may ci biir réew mi ñu wara mëna ñun ñepp ñew joxante ay loxo liggéey nak ngir Pékin ngir ndëruñu Pékin dara taxul woon ñuy joxante lu dul Pékin kon nak buñ ci yalla maye ndam dañuy wo doomu Pékin yépp autour d'une table ñun ñep ñu liggéeyndo ngir ëllëgu Pékin liggéey ngir devenir Pékin loolu mom moy message bi mu bëgg lancer dina ci gëna xoos bu fekkee def nañu installation ba paré pour wax vraiment ambition yi nga xamné mom lañu amal Pékin amal ko askanu Pékin waye vraiment ñu ngi gërëm di leen sant ñom ñep ci confiance renouvelée bi di sant yalla di gërëm ñep nak di leen sant di ñaan yalla yalla may ñu kattan may ñu dal may ñu wër may ñu xel mu leer ba li ngi bëgg liggéey Pékin ak ñu ci wara andal yépp yalla may ñu liggéey ko ngir jël ñu Pékin yalla ñu ko yalla defal ñu fekk ko ñun ñëpp té dal ko jël ak ñëpp merci à tous voilà les résultats officiels de la commission départementale de recensement des votes vous avez bien encore Yakar qui arrive premier avec 48 242 voix et si vous le constatez dans l'ensemble des voix qui ont été engrangées au niveau des communes, nous en avions 42 710 voix. Mais à Wallo Sénégal, Wallo Askanui, qui arrive deuxième, avec 46 336 voix. Ça, c'est les chiffres officiels de la commission départementale. Alors que Wallo n'avait, sur l'ensemble des communes du département, engrangé que 25 650 voix. Ça veut dire donc qu'il y a des reports de voix qui ont aidé Wallou à se retrouver avec 46 336. Moins sensiblement, Benoît Bokéakar a effectivement eu des voix supplémentaires par rapport aux 42 710, mais c'est approximativement 5000 voix. 5535. Alors que Wallou a eu un report de voix de 20 000 voix. La première déclaration que vous me demandez, c'est vrai qu'après l'installation, je reviendrai dessus. Mais je voulais juste vous dire que sur toute la présentation, on n'a pris pas une omission, mais oubliez de le préciser parce qu'il est important aussi de le dire. Nous sommes dans la région de Dakar, qui est composée de 5 départements. Et peut-être qu'il faut le reconnaître, il n'y a que le département de Pékin qui a vu la coalition Benoît Bokéakar sortir victorieuse de l'élection. À la grande satisfaction de tous les responsables et militants de la coalition Benoît Bokéakar, et qui me donne l'occasion de les remercier vivement, de les remercier chaleureusement pour leur engagement, pour cet esprit de cohésion et l'unité dont ils ont fait montre, de l'engagement sans faille de l'ensemble des responsables et militants, particulièrement la jeunesse du département de Pékin, que je veux saluer à cette occasion. Je les remercie de leur engagement, je remercie le mouvement des femmes, de son engagement, le réseau des enseignants, de leur engagement, mais surtout et précisément l'ensemble des responsables, tête de liste des 12 communes qui n'ont ménagé aucun effort. C'est ce qu'ils ont gagné et c'est ce qu'ils n'ont pas gagné, mais qui n'ont pas démérité du tout. Il y a eu un engagement total
de l'ensemble des responsables sur les 12 communes. C'est une occasion vraiment pour les remercier et les féliciter pour cet engagement-là. Pour leur dire c'est vrai, sur les 12 communes, nous en avons eu 7, parce que les deux communes, que sont Guinée-Oraï Nord et la commune de Thiaregar, avaient des listes parallèles dirigées par des responsables de notre parti, l'Alliance pour la République, accompagnés par certains responsables de la coalition Benno Bokk-Yakaar. On les félicite, M. Mbaye Sen et M. Wally Ndiaye, pour cette brillante victoire qu'ils ont obtenue. Je voulais d'ailleurs vous dire que Pikine, c'est Pikine qui a gagné, c'est Pikine qui en sort grandi, c'est Pikine qui va aller encore vers d'autres conquêtes, mais c'est surtout un engagement du maire, futur maire que je suis, pour ne ménager aucun effort pour Pikine, et rien que pour Pikine. J'en appelle à toute la population de Pikine, de quelque bord qu'il soit, de quelque liste qu'il vienne, de quelque sensibilité, même ceux qui ne sont pas dans la politique. J'appelle tous les fils de Pikine à se retrouver devant l'essentiel. C'est le temps de l'action. Le temps vraiment de l'action réellement, parce que nous avons terminé avec les élections. Puisque nous avons terminé avec les élections, nous allons maintenant vers le travail. Nous voulons travailler pour Pikine. Et nous appelons tous les fils de Pikine à venir autour de cet idéal que nous avons pour faire de Pikine, comme il l'a dit tout à l'heure, monsieur mon ami, monsieur Aline Badra Diouk, faire de Pikine une ville émergente, faire de Pikine une ville d'affaires, faire de Pikine une ville de devenir, une ville de transition. Nous avons cette ambition-là et nous ne ménagerons aucun effort pour vraiment réaliser cette ambition que nous avons. Sur les 5 ans à venir, nous n'aurons de cesse que de travailler pour les populations de Pikine, pour le département de Pikine. Merci. Je remercie l'ensemble de la population de Pikine d'avoir encore une fois porté son choix sur ma modeste personne pour continuer à conduire les destinées de la ville de Pikine. Remerciant au passage tous ceux qui ont combattu, tous ceux qui ont participé à cette élection, qui a quand même, quoi qu'on dise, a été une élection assez apaisée dans notre département. Nous n'avons pas senti de violence ni trop de heurts, même s'il n'en a pas manqué quelques échauffourées, mais cela peut arriver. Mais dans l'ensemble, il faut remercier tous les concurrents, tous nos adversaires qui ont participé à cette élection pour cet esprit de grandeur, cet esprit de responsabilité et pour nous avoir permis de terminer en paix ces élections-là. Nous les avons terminées maintenant, nous tournons la page des élections. Nous nous projetons vers le travail pour le département de Pikine. Je remercie l'ensemble des correspondants de la banlieue qui sont là. C'était vraiment les seuls mots que je voulais donner pour à l'issue de cette conférence de presse. Je reviendrai très largement après l'installation sur un mot et sur les ambitions que nous avons pour le département de Pikine. Une occasion pour moi aussi de remercier l'ensemble des responsables de la coalition Benno Bokk-Yakaar. Je peux les énumérer, mais ça va être long. Je pense qu'ils sont tous là. Et ils savent tous ce que nous avons enduré et ce que nous avons vécu ensemble, issus des autres listes, mais aussi ceux qui sont dans la liste de Benno Bokk-Yakaar, comme ceux qui étaient sur les listes parallèles, l'ensemble des responsables de Benno, je le dis bien de Benno, pas de l'APR, mais de Benno Bokk-Yakaar, tous ceux qui se sont engagés et qui ont travaillé à la réussite de ces élections. Je félicite aussi les candidats qui ont combattu, qui ont participé à ces élections, qui n'ont pas démérité, même s'ils ont perdu. Et je les appelle autour d'une table pour l'intérêt de Pikine, pour qu'on travaille rien que pour Pikine. Et Inch'Allah, je sais qu'ils sont des fils de Pikine. Et nous avons tous la Pikinité dans le sang. On va travailler ensemble. Je les appelle tous autour d'une table. Et une fois que cette conférence-là sera terminée, après l'installation, nous travaillerons la main dans la main pour que Pikine se relève et que Pikine devienne une ville émergente et une ville vraiment tournée vers le développement.